Zombie apocalypse. Salut à tous, on espère que vous allez bien. Pour notre part, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, on se retrouve pour le test des objets qui coûtent 50 euros qu'on avait commandé. 150 euros, dont on vous a fait l'ouverture, la présentation. Donc là, on va commencer tout de suite par vous présenter une souris. Donc du coup, là, et le refroidisseur. Donc il y a 7 produits, là, il y en a 2. Donc là, on va allumer l'ordinateur, vite fait, bien fait. Après, il y a le tapis de souris, donc ça voilà, sert à rien qu'on vous présente, il est comme ça. Donc il y a le petit scorpion ici, et voilà. Ici, il y a écrit OK. Et de l'autre côté, c'est bleu azur. Voilà. Donc c'est pour pas que ça glisse, c'est en plastique bizarre en bas. Bref, donc là, la souris, est-elle l'éclairage ou non? Putain. Donc la team, là vous voyez la souris qui s'allume. Regardez bien, elle change de couleur. Vraiment très très cool la souris. Donc voilà, et de l'autre côté, il y a le signe OK qui s'allume. Voilà, il voit. Donc là, la souris qui change de couleur est vraiment très très bien. Donc là, regardez, il y a le refroidisseur, Momo. Merci. Donc là, si j'allume le refroidisseur, il y a les 4 ventilos qui s'allument avec une petite lumière. Donc regardez la team. Vas-y. Éteins-le. Donc regardez, il y a plusieurs couleurs. En fait, quand le ventilo il est faible, la couleur elle est faible. Voilà, et plus vous augmentez la puissance des ventilos, plus la lumière elle est forte. Donc voilà, là il y a différents degrés, vous pouvez poser comme vous voulez. Mais là, allume le truc. Non, vas-y. Donc, et là on peut faire ça pour pas qu'il tombe lorsqu'il est comme ça l'ordinateur. Comme ça, voilà. Donc, ça c'est les petits produits pour l'ordi. Et là on va passer tout de suite au reste. Donc la team, il nous reste plus que 4 produits à vous présenter. Donc je pense qu'on va commencer avec le casque. Non, avec ça parce que voilà. Donc là c'est ça en fait. Ce truc ça sert à, en fait quand vous conduisez, vous mettez ça dans votre oreille. Et quand vous avez un appel ou quoi, vous avez juste dessus. À, voilà, ici vous appuyez. Et vous appuyez, donc ça répond à l'appel, voilà. Ou si t'appuies deux fois, ça raccroche. Voilà. Et en fait, nous, on pensait qu'on pouvait faire des caméras cachées, etc. Et en fait, non, vu que le micro, il est fait exprès juste pour l'appel, en fait. Voilà, parce qu'on s'est dit, si on connectait par Bluetooth ça à notre téléphone, on pensait que le micro, ça allait être celui-là qui va être pris. En fait, non, c'est celui du téléphone. Voilà, on a testé avec le téléphone, ça marche pas, c'est que pour les appels. Donc le petit casque, là on vient de changer de caméra, donc on filme avec mon téléphone. Donc là, le petit casque, je vais le mettre sur le téléphone, je vais voir si le micro marche bien. Donc là tout de suite. Donc la team, entendez le micro, franchement, moi je trouve qu'il est parfait. On entend bien la voix et en plus ça fait pas de... Mais moi je trouve que ça pourrait être très très bien pour les lives avec la clarté du son, pardon. Donc franchement pour le casque, on vous le conseille fortement. Mais il y a un petit truc que je trouve dommage. Qu'il vous faudra ce truc. Hop. Il vous faudra ça. En fait, nous on a eu ça grâce au micro. Qu'on vous a présenté avant, voilà. En fait, sans ça, le micro... Vous ne pouvez pas l'utiliser sur votre téléphone. Vous pouvez entendre avec, mais le micro ne marchera pas. Ça sera celui du téléphone. Et je ne sais pas si sur la Play, on peut l'utiliser. Si, on peut. On peut, ben voilà. Et sur l'ordi, donc ça marche. Et voilà, mais si vous voulez l'utiliser sur le téléphone, vous devez acheter ça. Mais le son, n'empêche, le son, il est très très bon aussi. Il est fort, etc. Donc on passe tout de suite à la suite. Hop. Nous reste deux produits, ça c'est notre préféré, le petit drone, hop, on va l'allumer tout de suite, et la manette. Donc la manette, il vous faut des piles, des petites piles, vous voyez, pas les grosses, les petites. Ouais, c'est de la télécommande. Voilà.
C'est bon, ça marche quand même. Donc là, on l'allume. Ça fait pip pip pip. Donc vous bougez ça. Dès que le point, eh ben, il fait plus ça. Donc c'est bon. Et le drone, regardez, il n'y a pas la lumière qui fait ça. Donc c'est bon aussi. Donc c'est parti. Lui, il maîtrise pas trop. Moi, je suis un pro maintenant. Lève-toi. La team, salto avant ou pas? Mais attendez. Hop. Attends. Voilà. Vas-y. Voilà, bien joué. Attends, salto droite. Bien joué. Salto gauche. Attends. La team, donc là on est dans la voiture. J'ai connecté mon truc, le ça en fait. Voilà, à ça. Du coup, on l'a mis dans l'allume-cigare. Donc là, c'est dans la radio 88.3. Et en fait, il faut le connecter à une radio. Après, vous choisissez la radio. Il est écrit là, regarde. Ouais, je l'aurais dit. Donc au moment où il va mettre une musique avec son téléphone, normalement ça a bien fonctionné. Hop. Vas-y. Augmente le son. Parce qu'on est dans le sous-sol en fait, ça capte pas trop bien. Attends, je vais mettre une musique ambiançante. Parce que là c'était un petit peu calme et tout, tu vois, c'est Medine, il est très bien, je le kiffe trop. Ah, vas-y. Lui ici, il est magnifique ce rappeur. Il a à peine 4000 abonnés et franchement il mérite beaucoup plus. Vas-y, avance un peu. Donc voilà, il y a un petit bruit, mais avec la musique vous l'entendez pas. Dommage, vraiment dommage, je sais pas pourquoi ça fait ça. Donc voilà, ce rappeur il s'appelle Reda. Donc c'est ça. Franchement, je vous le conseille largement, il est hyper lourd. Et voilà, donc la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Donc on leur demande combien? Un petit 300. 300, vas-y. Un petit 300 likes, la team. Donc partagez, commentez et on se dit à la prochaine. Et abonne-toi pour faire partie de la team. Ciao.